Coucou à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un haul action. Donc c'est parti. Alors je vous montre mon ticket de caisse. Il y a pas mal de choses. Donc voilà. Alors je commence par cette eau démaquillante. Elle sent super bon et elle vous rend la peau assez douce. Elle nettoie vraiment en profondeur la peau. Donc pour l'instant, j'en suis pas déçue. À voir avec le temps. Donc voilà, elle m'a coûté 1,98 € et à l'intérieur vous avez 400 millilitres. Donc voilà, voilou. Ensuite, je me suis repris celle-ci, du moins c'est les filles qui s'en servent. C'est, vous savez, le démaquillant en gel à l'eau de rose. Donc il est pas mal aussi celui-là. Ensuite, donc je me suis pris ce qui va avec des cotons démaquillants qui m'ont coûté 59 centimes. Voilà, qu'on a déjà utilisé. À l'intérieur, vous avez 80 pièces. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci qui m'a coûté 1,69 €. Alors, c'est des sacs poubelles, donc de couleur noire. Ils sont de 50 litres. Il y en a 20 à l'intérieur et ils sont de 68 cm sur 75. Franchement, ils sont assez grands. Ils sont quand même résistants. Donc, ça fait la deuxième fois que je les achète et j'en suis pas déçue. Donc, voili voilou. Ensuite, j'ai pris ceci. Hop, la petite étiquette. Vous savez, c'est pour renforcer les feuilles que l'on met dans les classeurs. Il m'a coûté 49 centimes. Voilà, c'est des petits autocollants. Et vous avez, ils vous disent que vous en avez 960 à l'intérieur. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un rouleau de correcteur. Il m'a coûté 59 centimes, donc vraiment pas cher. Vous en avez deux à l'intérieur. Voilà, rien de particulier à préciser, non. Ensuite, je me suis repris un paquet de quinoa. Il m'a coûté, je crois, 1,69 €. Je n'ai pas mis le prix sur celui-là, donc je ne me souviens pas. Et vous avez une quantité à l'intérieur de 150 grammes. Voilà. Je me suis repris aussi un paquet de graines de courge. Alors, c'est un paquet d'une quantité de 300 grammes. Il fait un peu plus d'1,50 €. Ou 1 €, je ne me souviens plus. En fait, je vais dire une bêtise, 1,50 €. En fait, je ne me souviens plus. Bon, c'est entre 1 € et 2 €. Je ne me souviens plus vraiment. Ensuite, hop là, je me suis pris ceci à 1,82 €. C'est un lot de 6 verres à thé. Je vais vous montrer. Oups là. On avait 6 à l'intérieur. Alors, ils sont très fins, ils sont très jolis. Et en fait, moi, je m'en suis servi pour faire des verrines. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors, c'est un. Vous voyez, c'est un moule à four. On peut s'en servir de petit saladier pour présenter sur la table. C'est très joli. Bon, voilà, il est assez travaillé sur les bords. Et celui-ci m'a coûté, je vais vous dire ça, 3,59 € et il est de 32 sur 24 cm. En fait, il prend une contenance de 3 litres. Et puis voilà. Donc, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore utilisé du moins. Donc voilà, je vais voir. Je vais aussi bien l'utiliser dans le four qu'en présentation sur la table. Donc voilà, il est vraiment pas cher. Et je me suis pris celui-ci, qui est tout simple, qui m'a coûté 3,89 €. C'est celui qui est en verre blanc, verre transparent. Et celui-ci, il est de 32 sur 20 cm. Et il a une contenance de 2 litres. Voilà. Oups là, je vais y aller doucement. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors, je m'en suis pris 4. Ce sont des petites assiettes. Et elles m'ont coûté 72 centimes pièce. Donc, j'en ai pris 4. Et je me suis repris ceci aussi. J'en avais pris, je crois, 4 aussi. Là, j'en ai pris seulement 3. Et ceux-là m'ont coûté 1,77 €. Ensuite, j'ai pris ceci. Elles m'ont coûté 82 centimes. Ce sont des tasses. Elles sont super jolies.
Bien travaillé. Alors là aussi, je m'en suis pris quatre. J'aurais pu en prendre deux, mais heureusement, je me suis dit, tiens, que des fois, je réfléchis pas, j'en prends deux, trois parce que ça me plaît, puis après, je regrette. Pour me faire un service, des fois, c'est pas mal d'en prendre quatre ou six. Donc voilà, elles sont super jolies. Donc ceux-là, elles sont bleu ciel. Ou peut-être, oui, elles sont bleues. Et celles-ci, elles sont blanches. Et donc, c'est très joli. Et donc, ça me fera, voilà, petit service à café ou autre. Ensuite, je me suis pris ceci que j'ai payé 15,95 €. Voilà, c'est une petite casserole. L'intérieur, c'est ce que j'aime bien. Ça ressort avec, vous savez, les poils. Voilà, c'est tout marbré. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Vous avez le couvercle en verre. Et ceux-là, ils vous disent que ça va sur. Attendez, parce que là, il y a un gel contre-jour. Ben, ça va sur tous les feux. Et c'est une contenance de 5 litres. Donc voilà, très joli. Et puis, je me suis pris aussi, alors je vais vous montrer. C'est quelque chose que je voulais prendre depuis un moment, mais il n'y en avait jamais. Il y avait toujours les couleurs argent, mais cette couleur-là, elle partait comme des petits pains. Donc, ils sont super jolis. Voilà, je suis trop contente de les avoir trouvés. Donc voilà, je suis contente et celui-ci m'a coûté 9,95 €. Vous avez comme c'est super joli. Trop beau. Et puis c'est vraiment pas cher. 9,95 €. Vraiment, je suis trop contente. Et puis j'ai pris pour finir ces petits gâteaux-là qui m'ont coûté, je crois, 85 centimes. Donc ceux-là, ils sont au chocolat. Alors vous voyez des petits éclats. Je pensais qu'il y avait des éclats de chocolat, mais pas du tout. Ce sont des petits gâteaux secs en fait. Voilà, ils sont comme ça en forme de petits donuts. Alors vous dire que c'est un vrai délice, je mentirais. Mais bon, ça passe. Voilà, moi je suis pas compliquée, donc je les mange facilement, mais bon, j'en rachèterai pas. Voilà. Donc je les mange avec un café ou un thé d'ailleurs. Et ceux-là, pareil. Voilà. Ils sont légèrement recouverts de chocolat blanc. Donc 89 centimes. Voilà, c'est vraiment pas cher. Vous avez, c'est une contenance de 135 grammes. Bon, après, je ne rachèterai pas, mais c'est pas mauvais. Donc, voilà, ben, écoutez, mon haul se termine. Ben, j'espère que mes petites choses vous auront plu. Pour ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.